c'est un projet qui a été débuté en 2004. Projet largement concerté entre notre institution au niveau du rectorat de l'Académie de Caen et puis bien sûr la région. Il y a 56 000 emplois à pourvoir en hôtellerie-restauration, donc on était un petit peu, par manque de place, appelé à se développer, à développer ses formations puisqu'il y a un potentiel. Et on a profité de ça pour que la section boulangerie-pâtisserie, qui était située dans le centre-ville de Caen et qui était rattachée au lycée Laplace, puisse se rattacher pour avoir une cohérence dans un métier de l'hôtellerie-restauration et des métiers de la pâtisserie et de la boulangerie en même temps. On aura des cuisines très très modernes en termes d'économie, de développement durable, et elles sont modulables. Et donc en ça, on est certainement un des projets les plus concertés en France de la création d'un nouvel établissement. Le matériel qu'on a investi va être pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc c'est un pari sur l'avenir. Et puis c'est un pari sur un métier qui bouge. Il y a de l'emploi et on sait s'adapter, voilà, on sait être réactif. Donc il y a une cohérence entre le matériel qui va être proposé, c'est attractif pour des jeunes, et puis leur inculquer ces nouvelles notions d'économie. C'est un métier qui bouge beaucoup, l'hôtellerie-restauration. Donc voilà, il faut s'adapter, faut être réactif. Et quel meilleur moyen que de le faire avec des techniques les plus modernes qui soient, et en plus en Normandie alors.